Il y a beaucoup de jurys qui décernent des prix littéraires à la rentrée littéraire, donc à partir de septembre. Et parmi ces jurys, il y a le jury du cœur. Il y a le jury de la spontanéité. Il n'y en a qu'un, c'est celui des étudiants. Et je pense que Gaël, c'était vrai hier dans les chansons, c'est vrai aujourd'hui dans son ouvrage. Cette particularité de transformer un destin individuel, la vie d'un homme, en petite parcelle de l'humanité, à faire du global à partir d'un fragment, d'un morceau. Et dans ce parcours qui va de soi au monde, tout le monde peut se retrouver. En tout cas, tout le monde peut cheminer de concert avec lui, et c'est ça qui explique son succès. C'est une œuvre qui m'a complètement bouleversée, qui est remplie de tendresse, de douceur, et qui mêle en même temps haine et violence. Il y a un portrait de l'Afrique qui est majestueusement beau dans une première partie, puis cette première partie va permettre dans la deuxième de créer une véritable tension dramatique et de tenir le lecteur en haleine. Quand je regarde l'ensemble des prix que j'ai gagnés, je remarque qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que ce sont des prix de lecteurs, donc des prix populaires, et aussi là pour le coup, pour les deux derniers prix, des prix de la jeunesse ou bien même les prix à l'étranger, c'est remis par des lycéens ou bien des étudiants. Donc il y a forcément en moi une fierté de me dire que j'ai réussi à écrire une histoire qui parle à la jeunesse. C'est quelque chose de... Et une jeunesse qui se limite pas à la France, quoi, parce qu'il y a eu le prix du Moyen-Orient, le prix en Pologne. Donc il y a quelque chose comme ça qui moi me dépasse, parce que en écrivant Petit Pays, je n'avais bien sûr pas du tout conscience de cette portée-là, que ça pouvait s'adresser à la jeunesse, ça pouvait porter un message qui dépasse le petit quartier de Bujumbura, les gens qui ont un tropisme pour l'Afrique. Donc, voilà. Donc je suis surpris, et finalement ça conforte l'idée que j'ai que écrire, c'est la magie.